De la petite fille qui avait beaucoup d'amour. Il était une fois une petite fille qui avait beaucoup d'amour. Elle avait remarqué sa taille particulièrement proéminente lors d'un examen avec ses copines dans les toilettes en sixième. Ces dernières lui enviaient d'ailleurs beaucoup ce don de la nature. Mais elle ne savait pas quoi en faire. Si l'amour était réparti sur Terre inégalement à la naissance, il lui paraissait juste que ceux qui en avaient le plus en distribuent à ceux qui en avaient le moins. Alors, elle décida de mettre des petits bouts de ce grand amour dans des boîtes qu'elle offrait à tous les gens qui passaient près d'elle. Un clic. Et c'est fini. Une fois que tu es devenue reine de beauté, tu peux passer dans des émissions télé. Élection Miss France. La ferme des célébrités. Élection Miss Monde. Téléfoot. Une fois que tu es bien connue des médias, tu peux profiter de ta notoriété pour te lancer dans la politique. C'est nouveau ça. Ah!
J'ai oublié ma main dans ta gueule. Sophie, t'as fini? Sophie! Oh, allez, c'est rien, tu sais, t'en verras d'autres, hein. Tu fais pas de conneries. Sophie? Bon, allez, sors là, franchement, les chiottes, c'est vraiment glauque, tu vas pas rester enfermée, non? Allez, viens, on va discuter. Sors un petit peu. T'as pas envie de parler? J'ai pas bien su avec tout ça comment on devenait une femme. Moi, avec mes airs de garçon manqué, j'étais maladroite, toujours à me tordre les pieds. Très vite, je me suis retrouvée enceinte. Un garçon, je voulais. Le bébé est arrivé en avril. Poussez, poussez, qu'elle me disait la sage-femme. Vous êtes une paresseuse, vous. L'accouchement a duré des heures. Le cordon était enroulé autour du cou du bébé. J'étais épuisée. Je l'ai appelée Françoise. Qu'est-ce que tu veux faire? Du théâtre? Non, mais à part ça. Ben, du théâtre? Comme métier, je veux dire. Ah, comme métier? Comédienne. Mais enfin, c'est pas très stable, ça, quand même, non? Le théâtre est une activité de loisir. Ça veut dire que tu serais intermittente, c'est ça? Non mais ça c'est super, parce que quand tu seras une star, je pourrais dire, elle, je la connaissais quand elle a fait ses débuts. Tu t'écoutes trop. Mais ça veut dire que t'aurais pas de salaire fixe. Quand on est jeune, c'est normal de vouloir s'amuser. Eh mais peut-être qu'après, si t'es connue, tu pourras passer à la télé. Mais après, faut savoir s'occuper un peu de son avenir. Mais t'as pas pensé à Cagne, Hippocagne? Justement là, j'ai un papier, un crayon. Tu voudrais pas me faire un autographe? On sait jamais.